Du riz et du sucre pour 50 familles musulmanes de la commune d'Abobo. Ce don est celui de l'association des jeunes d'Abobo Agnissankwa le 23 mars dernier. Objectif, manifester la solidarité des jeunes vis-à-vis des populations défavorisées en ce mois saint de Ramadan. En partageant ces provisions, nous espérons également alléger le fardeau et la difficulté de ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Nous voulons qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que notre communauté est là pour les soutenir dans ces moments difficiles. Satisfait de cet élan de solidarité, ses fidèles ont tenu à remercier les donateurs. C'est des mérites qu'on ne peut pas définir ici. C'est Dieu seul qui peut définir ça. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait rompre quelqu'un dans le jeûne, c'est comme la personne. Le mérite que Dieu va donner à le rompeur, donc il doit donner le même mérite à celui qui a donné quelque chose, qui n'a qu'à pu faire quelque chose qui rompt son jeûne avec. Débuté le 11 mars dernier, le Ramadan est un des 5 piliers de l'islam. Il commémore la période où le Coran a été révélé au prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui.